Aujourd'hui, nous sommes dans le 5e arrondissement de Lyon, et plus particulièrement dans le quartier du Point du Jour. Le Point du Jour, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un véritable village dans la ville, jugé comme à part par ses habitants. Plus besoin de rejoindre la presqu'île, car vous avez tout à proximité. Restaurants, commerces, associations et de nombreux parcs. Surtout, son théâtre mythique, fondé en 1960. Vous avez à peu près plus de 5 lignes de bus, notamment le C21 direction Perrache, le 90 direction Gorge de Loup. Alors, vous pourrez rejoindre Bellecour en moins de 15 minutes. Si le secteur et le Point du Jour vous a plu, on se retrouve directement dans l'immeuble. Le bien présenté se situe en face de la place Bénédicte-Tessier, dans cet immeuble de standing de 3 étages avec l'ascenseur construit en 1997, composé de 40 silos d'habitation avec garage, cave et balcon. Les charges de copropriété sont de 625 € par trimestre, comprenant l'entretien de la chaudière DMC, la maintenance de l'immeuble. Ne prévoyez pas de budget travaux, car des travaux d'entretien réguliers sont réalisés. On espère que cet immeuble vous a plu, on se retrouve au dernier étage. Un séjour cosy de 32 mètres carrés, orienté plein ouest, sans vis-à-vis, donnant directement sur le balcon. Que dire de ce balcon de 5 mètres carrés pour profiter du coucher de soleil? Une climatisation réversible installée en 2020. Une belle cuisine moderne de 10 mètres carrés, entièrement aménagée et équipée, réalisée par Créa Concept. Un escalier en bois qui rajoute du caractère à ce bien. Deux belles chambres, dont cette parentale de 9 mètres carrés au calme, avec son propre dressing et sa salle de bain. Un appartement T3 de 88 mètres carrés carrés, 100 mètres carrés au sol pour une surface commerciale de 91 mètres carrés. Pourquoi devez-vous acheter ce bien en 5 points? Le premier, c'est que c'est une localisation de rêve, un village dans la ville. Le deuxième, c'est qu'il y a différentes ambiances et différents espaces. Le troisième, c'est que c'est une rénovation de qualité réalisée en 2018. Le quatrième, c'est qu'il y a un confort et une performance énergétique maximale avec sa chaudière à condensation, sa clim réversible pour des factures d'environ 90 € par mois. Et la dernière, c'est qu'il n'y a plus de problème de rangement ou de stationnement parce qu'on a cave, placard et un grand garage double en sous-sol. Lucas et moi-même, on vous remercie et on vous dit à bientôt pour les visites.